La critique est émotionnellement limitante et éreintante. J'espérais que vous trouveriez quelque chose qui puisse expliquer ce qui se passe. Lequel est le mieux? Le 1 ou le 2? Mieux, pire, pas de différence? Pas de différence. J'ai bien envie de savoir ce que tu en penses. Que la sobriété ne lui a pas bien réussi. Père, c'était en plein alcoolisme florissant à cette époque. C'est ce que je dis. J'aurais jamais dû arrêter de boire. Aucune originalité. Aucun courage. À mon avis. Je ne peux rien faire pour vous sauver. J'ai trouvé une perle. Qui a fait ça? Hypnotique. D'un voisin qui est décédé. Et vous vous êtes servi? Il n'avait ni famille ni amis. Je peux vous rendre riche. Prodigieux. Il y a une telle demande qu'ils sont tous prêts à étrangler. Tu connais un artiste du nom de Vetril Diz? Non, rien sur nos listes et pourtant on a tout le monde. L'artiste a utilisé son sang pour créer les rouges foncés. Il t'arrive de regarder cette peinture? T'as jamais rien remarqué de bizarre? Elle est vivante. En faisant mes recherches sur Diz, je me suis aperçu que le dégoût de l'argent était présent dans toute son œuvre. Diz a passé 20 ans dans un institut psychiatrique pour criminels pathologiques. Tout est en lien avec les œuvres. Il y a un esprit qui émane d'elle. Tout est entièrement lié à son art. J'ai l'absolue certitude qu'il est en train de se passer quelque chose de dingue! Ici, c'est un abattoir. Vous êtes au courant que Diz avait demandé à ce que son œuvre soit détruite? Au secours! Décroche toutes ces toiles! Boucle-les au lieu sûr! Je ne peux rien faire pour vous sauver. Les gens passaient devant elle comme si c'était une œuvre. On a des milliers de vues sur Instagram. Mon pas des records.